L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Les lectures de ce lundi 5e semaine de carême sont lues par Paulette Modinou, sœur de Notre-Dame des Apôtres, Guillaume Doucevi, diacre de la Société des Missions Africaines, et commentée par Habib Akwata, père de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre du prophète Daniel, chapitre 13, versets 41c à 62. En ces jours-là, le peuple venait de condamner à mort Suzanne. Alors, elle cria d'une voix forte : Dieu éternel, toi qui pénètres les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais qu'ils ont porté contre moi un faux témoignage. Voici que je vais mourir sans avoir rien fait de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre moi. Le Seigneur entendit sa voix. Comme on la conduisait à la mort,
Dieu éveilla l'esprit de sainteté chez un tout jeune garçon nommé Daniel, qui se mit à crier d'une voix forte. Je suis innocent de la mort de cette femme. Tout le peuple se tourna vers lui et on lui demanda : Que signifie cette parole que tu as prononcée ? Alors, debout au milieu du peuple, il leur dit : Fils d'Israël, vous êtes donc fous, sans interrogatoire, sans recherche de la vérité, vous avez condamné une fille d'Israël. Revenez au tribunal, car ces gens-là ont porté contre elle un faux témoignage. Tout le peuple revint donc en hâte, et le collège des anciens dit à Daniel : Viens siéger au milieu de nous et donne-nous des explications, car Dieu a déjà fait de toi un ancien. Et Daniel leur dit : Séparez-les bien l'un de l'autre, je vais les interroger. Quand on les eut séparés, Daniel appela le premier et lui dit : Toi qui as vieilli dans le mal, tu portes maintenant le poids des péchés que tu as commis autrefois en jugeant injustement. Tu condamnais les innocents et tu acquittais les coupables, alors que le Seigneur a dit : Tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. Eh bien, si réellement tu as vu cette femme, dis-nous sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. Il répondit : Sous un sycomore. Daniel dit : Voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu a reçu un ordre de Dieu et il va te mettre à mort. Daniel le renvoya, fit amener l'autre et lui dit : Tu es de la race de Canaan et non de Juda. La beauté t'a dévoyé et le désir a perverti ton cœur. C'est ainsi que vous traitiez les filles d'Israël, et par crainte, elles se donnaient à vous. Mais une fille de Juda n'a pu consentir à votre crime. Dis-moi donc sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. Il répondit : Sous un châtaignier. Daniel lui dit : Toi aussi, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu attend, l'épée à la main, pour te châtier et vous faire exterminer. Alors, toute l'assemblée poussa une grande clameur et bénit Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Puis elle se retourna contre les deux anciens que Daniel avait convaincus de faux témoignages par leur propre bouche. Conformément à la loi de Moïse, on leur fit subir la peine que leur méchanceté avait imaginée contre leurs prochains. On les mit à mort.
En ce jour-là, une vie innocente fut épargnée. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés des bœufs fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés des bœufs fraîches, il me fait reposer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Tu déprimes des bœufs fraîches, il me fait reposer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur. Qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 8, les versets 12 à 20. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Les pharisiens lui dirent alors, « Tu te rends témoignage à toi-même, ce n'est donc pas un vrai témoignage. » Jésus leur répondit, « Oui, moi je me rends témoignage à moi-même, et pourtant mon témoignage est vrai, car
Je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais. Vous, vous jugez de façon purement humaine. Moi, je ne juge personne. Et s'il m'arrive de juger, mon jugement est vrai parce que je ne suis pas seul. J'ai avec moi le Père qui m'a envoyé. Or, il est écrit dans votre loi que s'il y a deux témoins, c'est un vrai témoignage. Moi, je suis à moi-même mon propre témoin et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi pour moi. Les pharisiens lui disaient, « Où est-il ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Il prononça ces paroles alors qu'il enseignait dans le temple, à la salle du trésor. Et personne ne l'arrêta parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voyons se réaliser dans notre première lecture de ce jour les propos du psalmiste qui dit « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi et ton bâton me rassure. » La première lecture d'aujourd'hui nous présente une femme humainement désespérée, innocemment accusée, forcément calomniée et condamnée à mort. Elle se confie explicitement à Dieu et le Seigneur intervient puis la sauve. Il fait justice. Suzanne a fait confiance en Dieu. En face d'elle, des anciens corrompus. La corruption nous enlève la capacité de reconnaître notre péché et de demander pardon. Parfois, nous jouons le rôle de faux et de vrais témoins. Si nous jugeons de tout et de tous sans faire attention à l'esprit qui nous inspire, un jour ou l'autre, nous rejoignons les accusateurs de Suzanne. Nous participons à la passion du Christ du côté des faux témoins. Mais si nous nous laissons inspirer par Dieu, nous rejoignons Daniel. Nous participons à la passion du Christ du côté des vrais témoins, du côté du Père qui témoigne pour le Fils. N'oublions pas que le désir enfante la convoitise, le mensonge, la violence et enfin la mort. Le sectarisme enfante l'étroitesse d'esprit, la dureté du cœur, le jugement sans appel et enfin la mort. Nous devons mettre notre confiance en Jésus qui nous rappelle dans l'évangile d'aujourd'hui, « Moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Remarquons que Jésus ne dit pas que « Si le monde le suit, il aura la lumière de la vie. » Mais celui qui me suit, la réception de la vie, du salut, est une affaire individuelle. Nous avons besoin de cette lumière pour marcher dans ce monde de plus en plus envahi par les ténèbres de toutes sortes. Nous ne pouvons pas suivre Jésus en ayant un pied dans le monde et l'autre avec ceux qui suivent le Seigneur. On ne peut pas jouir un moment des plaisirs mondains sous quelque forme que ce soit et à d'autres moments chercher à faire taire notre conscience mal à l'aise en s'occupant un peu des choses sérieuses. Que le Seigneur nous aide à le suivre de tout.
Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous